Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Petite séquence vidéo spéciale insérée dans la compilation des clips. Je tenais à faire une mise au point. J'ai eu des retours, hein, je dis bien au pluriel, comment dire, de réactions par rapport à des séquences qui ont pu être diffusées. Au niveau des clips, il y en a un qui vous aurez vite fait de le retrouver. De toute façon, je vous le diffuserai après mon élocution pour que vous compreniez clairement ce que je veux vous signifier. Un clip qui a un gros score de vues, sachant que généralement je suis en dessous des 10 vues par clip. Là, au moment où j'enregistre la vidéo, j'en suis quasiment à 40. Pour vous prévenir que j'ai un humour qui peut être noir, qui peut être corrosif, j'aime parfois dégainer sans silencieux, comme j'aime à le dire, et j'attends de mon public qu'il soit suffisamment mature et qu'il ait du recul par rapport à mes différentes élocutions, mes vannes, etc. Donc, prise en considération du second degré, de l'ironie, de la démonstration par l'absurde, que j'aime beaucoup. Et là, précisément, c'est pour au sujet du sexisme. Alors, c'est très bien. Moi, je suis content que vous réagissiez au niveau de la communauté. Je réponds à qui de droit m'interpelle sur les sujets, pas forcément celui-là, hein, mais j'ai grand plaisir à interagir avec vous. Je vous en remercie pour tous ceux qui prennent le temps de m'écrire pour quoi que ce soit d'ailleurs. C'est un vrai plaisir pour moi. Que vous dire, que je fasse pas du hors-sujet. Oui, donc, ma chaîne est déclarée réservée aux adultes, hein, interdite aux moins de 18 ans. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire que je peux être un peu trash, on va dire. Et voilà, je sais que je peux surprendre, ça ne m'étonne en rien, au niveau de certaines de mes déclarations ou de des aveux spontanés, on pourrait dire. Et pour ce qui est du clip incriminé, non, je ne suis pas là pour faire, on va dire, l'apologie du sexisme, nullement. Je n'y adhère absolument pas. Je suis venant parfaitement pour l'égalité des sexes. Voilà, dans le cas là, en plus, vous l'entendrez à la tonalité de ma voix, c'est vraiment de l'ironie. On voit que j'ai pas une tonalité de voix normale. Là, j'avais en plus explicitement fait comprendre que j'étais en train de vanner, justement en démonstration par l'absurde. Ou un équivalent, c'est vrai, parce que dans la démonstration par l'absurde, on développe, et puis c'est parfois des longues tirades bien argumentées, bien illustrées dans le propos. Mais voilà, nulle intention de ma part de choquer ou d'être conflictuel, on va dire, de manière générale, et ne pas perdre l'état d'esprit de la chaîne, c'est-à-dire on est ensemble pour s'amuser avec la devise pour le meilleur et pour le rire. Voilà, je tenais à faire cette mise en lumière, oserais-je dire ce rappel voilà, de l'état d'esprit de la chaîne et puis de mon caractère, tout simplement, hein. Je suis face caméra devant vous comme si je l'étais dans la vie de tous les jours, hein, si vous me connaissiez vie réelle. Ça, là-dessus, je ne joue aucun numéro, aucune comédie. Voilà, dans l'espoir de vous retrouver sur mes directs, que vous regardiez avec joie mes compiles de clips, hein, c'est grâce à vous. Au niveau des interactions que j'ai avec vous, c'est un grand bonheur, merci tout plein. Et voilà, que la fête continue, devise de la chaîne, pour le meilleur et pour le rire. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao!